l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. L'Afrique de l'Ouest a célébré ce lundi les 20 ans de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à Ouagadougou, Burkina Faso. Il s'agit de se pencher sur les nouveaux défis auxquels est confrontée l'Union. Des réactions dès le début du journal. Célébration également ce lundi en Libye du 3e anniversaire de la révolution ayant mis fin au régime de Muammar Kadhafi. 3 ans après, pourquoi la Libye peine-t-elle à retrouver sa stabilité? Élément de réponse tout à l'heure. Et puis, cette bonne nouvelle pour le Nigeria et le Sénégal, l'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola dans ces deux pays. Voilà pour le sommaire. L'Afrique de l'Ouest a célébré ce 20 octobre le 20 ans de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. À Ouagadougou, Burkina Faso, sous le thème « UEMOA 20 ans, les voies d'un développement solidaire ». Il s'agit de faire une projection sur l'avenir afin de relever les défis nouveaux auxquels le pays et la sous-région sont confrontés. Je vous propose d'écouter les réactions des chefs d'État présents à la rencontre au micro de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Sékou Tangara et Alpha Omar Doussa. Il y a eu beaucoup de progrès dans le cadre de la consolidation d'abord de notre monnaie commune. Il y a eu beaucoup de progrès sur la voie de l'union douanière. Il y a eu également beaucoup de progrès en ce qui concerne la circulation des personnes, des biens et des capitaux. Donc nous sommes réellement un bon exemple d'intégration pour l'ensemble du continent africain. 20 ans après, on ne pouvait que nous féliciter de ce qui a été mis en chantier, en place en janvier 1994. C'est un bilan positif à tous égards. Vous avez vu une journée de convivialité également entre nos chefs d'État. Parce que vous savez, il est bon que nous nous voyons souvent. Les hommes font la politique au nom des États. Les relations entre ces hommes ne sont pas indifférentes. On n'est pas, c'est pas éthéré. C'est sur terre. Et quand ces hommes se tiennent frères, amis, solidaires, ça fait bouger beaucoup de choses. Et ce sera l'esprit de l'UEMOA que je retiens le plus. Et prions que cela continue. On doit être heureux aujourd'hui de voir qu'après 20 ans, on sent chez les chefs d'État, parce que je fais parmi les rares qui participaient à la signature en 1994. Donc c'est voir dans la tête des chefs d'État aujourd'hui le même enthousiasme, la même ambition pour faire de notre union une zone véritablement intégrée avec bien sûr des possibilités offertes largement aux hommes, aux biens, aux services, aux capitaux pour se mouvoir et surtout servir bien sûr à faire face aux défis qui sont aujourd'hui des grands défis qui demeurent des grands défis lorsqu'on prend la question. Effectivement, ce président a dit tout à l'heure des infrastructures, de l'alimentation, la question de formation. Et tout cela, ça indique qu'il nous faut agir ensemble, solidairement. Et je crois que l'espace a montré en 20 ans que nous avons beaucoup à gagner à agir ensemble qu'à se disperser, à disperser nos efforts. Créée en janvier 1994, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'est fixé pour objectif la réalisation de l'intégration économique sous-régionale, a indiqué le président de la commission, Cheikh Adjibou Soumaré, que je vous propose d'écouter. 20 ans déjà que grâce à la clairvoyance des chefs d'État de nos pays, l'UEMOA est née avec pour mission de construire autour de notre monnaie commune, le franc CFA, un espace économique harmonisé au sein duquel circulent librement les personnes, les biens, les services et les capitaux. Sur le socle de la solidarité entre nos peuples et de la complémentarité de nos économies, la mission assignée à l'UEMOA a été traduite dès 1995
un chantier de l'intégration reposant sur la surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques, la construction d'un marché commun, l'harmonisation des législations, notamment en matière économique, la mise en œuvre de politiques et programmes sectoriels communs corrélativement au déploiement progressif d'une architecture institutionnelle fonctionnelle. 20 ans après sa création, que faut-il retenir de l'UEMOA? Au cours de ces deux étapes, l'UEMOA s'est construite en se dotant de politiques et programmes hardis et en déployant dans l'ensemble des États membres des projets concrets qui en font aujourd'hui un modèle d'intégration cité en exemple sur le continent. C'est ainsi qu'un pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité organise la conduite de nos politiques macroéconomiques. L'union douanière est acquise avec la libéralisation des échanges intercommunautaires et l'institution d'un tarif extérieur commun. Des politiques et programmes communs ont été adoptés et sont développés dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, des mines, de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur, des transports, pour ne citer que cela. Des projets communautaires concrets sont réalisés. D'autres sont en cours dans le cadre du programme économique régional en matière d'hydraulique villageoise, d'infrastructures routières, d'aménagement hydro-agricole, de sécurité alimentaire, d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, de santé humaine et animale. Aujourd'hui, nous avons une monnaie stable et le taux de croissance dans l'espace est passé en moyenne à 6% avec des pointes de 10% dans certains pays. Voilà ce qu'il fallait retenir ce soir de 20 ans de l'UEMOA. Nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans nos prochaines éditions. Tout autre chose maintenant, les agents des forces de défense et de sécurité et ceux de la magistrature du Mali, de la Mauritanie et du Niger sont en formation à Niamey au sein du Collège sahélien et de sécurité, une formation de mise à niveau sur les défis sécuritaires du moment, notamment le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Sarki Aboubakar Azagabashi avec notre bureau sur place. Les mécanismes du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération sont passés au peigne fin au cours de cette rencontre. Les défis sécuritaires dans la sous-région l'imposent, d'où la nécessité de s'y adapter à travers des programmes de formation. L'objectif de ce collège, comme vous savez, à les autres structures au niveau de l'Union européenne, c'est un collège virtuel. C'est juste les objectifs, c'est la relation avec la formation. C'est pour former nos cadres en commun, ensemble, au niveau des trois pays, en tout cas sur les différents défis qui nous assaillent sur le plan sécuritaire. Les agents de la douane, de la police, de la gendarmerie et des magistrats du Niger, du Mali et de la Mauritanie y prennent part. Mieux outillés, ils pourront en retour juguler le fléau dans toutes ses formes. Il s'agit essentiellement de la difficulté d'application de certains textes, de la plupart des textes, je dirais, au regard de la manière dont nos sociétés vivent, c'est-à-dire à peu près l'antinomie entre les textes que nous avons adoptés au niveau de tous les États, qui sont à mon avis bien faits, et la vie de tous les jours de nos citoyens, qui ont besoin donc d'être sensibilisés avec l'appui bien sûr des opérationnels qui eux-mêmes doivent être constamment remis à niveau. Les programmes de formation s'étaleront sur 5 jours. 5 jours de mise à niveau des principaux acteurs de la lutte contre ces fléaux dans nos États. Le ton monte entre l'Algérie et le Maroc suite à la dénonciation par Rabat des tirs de l'armée algérienne à la frontière entre les deux pays. C'était samedi. L'Algérie a pour sa part accusé le Maroc de travestir les faits. L'incident devrait contribuer à tendre de nouveau les relations entre les deux pays dont les frontières sont restées fermées depuis 20 ans. Au moins 150 migrants ont réussi à pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla dans le nord du Maroc. Il s'agit des ressortissants d'Afrique subsaharienne. Ils ont franchi la triple clôture haute de 7 mètres qui sépare l'enclave du Maroc.
Éducation à présent, les volontaires d'Afrique dirigés par le célèbre rappeur Econ veulent participer au développement du continent. Ils viennent d'offrir des bourses d'études d'un montant de 250 millions de francs CFA des étudiants africains. Ces derniers vont désormais poursuivre leur formation à Marrakech et dans des prestigieuses universités du Maroc. Envoyé spécial Abdoulaye Bari. Ils sont une vingtaine d'étudiants venus de plusieurs pays du continent à déposer leurs valises à Marrakech pour y poursuivre leur formation académique. Sélectionnés dans leurs pays respectifs, ils bénéficient de bourses d'études offertes par les volontaires d'Afrique, formés par trois jeunes du continent, Econ, la star américaine du rap, Chun Yang, fondateur de Givouan Project, Samba Bachili, le jeune opérateur malien. Former des ressources humaines de qualité pour construire l'Afrique de demain, c'est en filigrane la philosophie qui sous-tend la démarche des volontaires d'Afrique. Pour vraiment changer le monde aujourd'hui et pour changer l'Afrique en particulier, il faut investir à sa jeunesse. Dans tous nos pays d'aujourd'hui, comme il a dit, 60% de notre population est jeune, moins de 30 ans. Et ça, c'est un atout pour nous. C'est un atout qu'on peut exploiter pour préparer la jeunesse, comme on est en train de faire, investir sur vous pour que demain, vous comprenez que l'Afrique ne va pas se développer que par vous. C'est à vous de rêver l'Afrique que vous voulez voir. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut en Afrique, c'est des ressources humaines qualifiées, puisque le potentiel est là. On n'a pas besoin de très très grands diplômes. Ce qu'on a besoin, c'est ce que les Américains appellent des « good citizens ». Des gens, on a besoin de techniciens qualifiés dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine où il y a un potentiel d'emploi. Le ministre ivoirien du plan, Albert Mabri Toake, s'est réjoui de cette initiative des volontaires d'Afrique, tout en encourageant les jeunes étudiants à travailler pour être à la hauteur de la confiance placée en eux. Alors, quand vous voyez qu'à cet âge, ils prennent conscience de ce qu'ayant réussi à l'extérieur, ils ne doivent pas oublier l'Afrique, mais ils doivent surtout avoir des initiatives en faveur de l'Afrique qui contribuent à bâtir un avenir solide, notamment en utilisant les jeunes. Je ne peux qu'exprimer ma fierté, leur exprimer toute notre gratitude. Nous avons besoin en Afrique de leaders, ils en font partie désormais. Et je leur disais donc que c'était au nom de l'Afrique, au nom de tous ces jeunes qui bénéficient de ces premières bourses que je tenais vraiment à leur dire un grand merci. Des montants globaux de 500 000 dollars, soit 250 millions de francs CFA, ces bourses sont les premières d'une série que les volontaires d'Afrique entendent offrir aux étudiants du continent. 540 bourses sont prévues pour les 5 années à venir. Signalons que dans le cadre de leur projet Econ Lighting Africa, les initiateurs entament le week-end prochain une tournée dans 7 pays du continent pour l'inauguration des projets d'électrification solaire. Autre titre de ce journal, les Libyens ont célébré ce lundi le 3e anniversaire du début de la révolution qui a conduit à la chute du régime de Muammar Kadhafi. C'était en 2011, dans un climat d'incertitude marqué par une profonde crise politique et une insécurité persistante. Le Premier ministre Ali Zeidane a appelé les Libyens à faire preuve de volonté pour faire face aux difficultés politiques et économiques qui paralysent le pays. Aminata Mariko. 3 années se sont écoulées depuis la mort du dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Si l'élimination du guide le 20 octobre 2011 a signifié la fin de son régime, pas celle du chaos en Libye. Depuis lors, le pays est déchiré par la guerre civile et le niveau de vie a chuté. La communauté internationale qui a soutenu le renversement de Kadhafi n'a assuré d'aucune manière une transition normale démocratique ou ne serait-ce qu'un transfert normal du pouvoir ainsi que la sécurité du pays. Désormais, ce sont les milices armées qui font la loi empêchant l'édification d'un État stable. Les ex-rebelles qui ont combattu l'ancien régime durant 8 mois de conflit et qui étaient porteurs de tous les espoirs sont devenus, après quelques mois, la source de tous les maux du pays et de l'anarchie qui y règne. Ainsi, des affrontements réguliers opposent des milices ou des tribus, notamment dans le cadre d'une lutte pour le contrôle des trafics aux frontières. L'espoir d'une transition démocratique en Libye s'est évanoui. Le pays est au bord de l'implosion. Après Benghazi, deuxième ville du pays et berceau de la révolution, c'est au tour de la capitale Tripoli de sombrer dans la guerre des clans. Les milices islamistes multiplient les attaques contre le pouvoir central dont elles contestent la légitimité. La Libye se trouve aujourd'hui dans un chaos sans précédent.
Certains regrettent d'ailleurs la sécurité qui régnait sous l'ancien régime. Voyons maintenant cette bonne nouvelle pour le Nigeria et le Sénégal. L'Organisation mondiale de la santé déclare la fin de l'épidémie d'Ebola dans ces deux pays. Et cela au terme d'une période de travaux de 42 jours. Écoutons Rui Gama Vaz, le directeur de l'OMS au Nigeria. L'OMS déclare officiellement le Nigeria libéré du virus Ebola. C'est un succès spectaculaire qui prouve que le virus Ebola peut être contenu. Mais soyons clairs, une bataille a été gagnée, mais la guerre ne finira que quand l'Afrique de l'Ouest entière sera libérée d'Ebola. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali, en collaboration avec l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali, a procédé ce lundi à l'ouverture d'un atelier de formation de 5 jours en entrepreneuriat. La formation sera assurée par une experte américaine venue pour l'occasion. Plus de détails dans ce reportage de Fatoumata Togola, Daouda Doumbia, commentaire Djibril Amaïga. Il s'agit de la formation de 35 arabophones en entrepreneuriat et en module arabe par une formatrice venue directement des États-Unis. Le choix de ce thème se justifie par la marginalisation des arabophones au Mali et leur difficulté d'accéder au marché de l'emploi. Il est constatable dans notre pays que l'arabophonie rime avec l'islam. Alors donc presque vu non plus comme intellectuel mais comme des religieux jeunes donc mis à la traîne. Et aujourd'hui donc voir que ce soit les ambassades, l'ambassade des États-Unis qui viennent initier un module de formation, évidemment grâce à l'appui de l'UJIMA. Alors donc, cela permet d'espérer, parce qu'aussi cela casse un prisme, un cliché. Et qu'eux aussi, ils aient une vision pour savoir traduire ce qu'ils ont appris, afin que donc désormais chaque Malien, jeune diplômé, sache et sente qu'il est pris en compte dans la vision des affaires du pays. C'est suite à des recommandations que l'Union des jeunes musulmans du Mali, avec plus de 124 associations et mouvements de jeunes, a mené des démarches pour atteindre cet objectif, d'où la signature de cette convention de partenariat entre l'UJMA et l'APEJ. L'entrepreneuriat des jeunes constitue une compétence clé pour la croissance et l'emploi, ainsi que pour l'épanouissement personnel des jeunes. C'est un outil d'intégration sociale pour l'excellence. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons cet appui de l'ambassade des États-Unis au Mali à l'endroit de l'UJMA qui, faut-il le rappeler, se bat au quotidien pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes arabophones. Les difficultés rencontrées dans l'entrepreneuriat par les personnes formées en langue arabe sur le plan socio-économique ne sont plus un secret de polichinelle. Cette formation permettra à la jeune génération arabophone de s'affirmer comme leur père, qui ont étudié dans d'autres langues, à s'investir dans la construction nationale par le biais de professions libérales. Professions qui pourront les aider à souscrire à une autonomie financière. Je vous propose à présent de suivre un tour de l'actualité en brève et en images commenté par Daouda Kamati. La présidente du Libéria, pays le plus touché par l'épidémie, a appelé à la mobilisation de toutes les nations contre cette maladie qui ne connaît pas de frontières. Sur le terrain, les Libériens se remettent à Dieu pour vaincre Ebola. Les églises ne désemplissent pas de croyants, cherchant un soutien du Tout-Puissant contre l'épidémie. Une délégation du gouvernement congolais conduite par le ministre de l'Intérieur et une autre composée des parlementaires séjourne depuis ce dimanche à Beni dans le Nord Kivu. Leur objectif est de faire la lumière sur les massacres à répétition dans ce territoire où la population a finalement décidé de prendre en charge sa sécurité. Dans l'affaire Issenabré, les chambres africaines extraordinaires dénonçaient ce samedi 18 octobre le manque de coopération du Tchad. Le tribunal spécial, mandaté par l'Union africaine, se plaignait du fait que N'Djamena refuse officiellement de mettre à sa disposition deux co-accusés. Mais selon les autorités tchadiennes, l'accord de coopération judiciaire signé avec le Sénégal nécessite que les co-accusés donnent leur accord avant leur transfèrement, ce qu'ils ont refusé. Le président tanzanien recevait ce lundi à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, son homologue sud-soudanais Salva Kiir, dans le cadre d'efforts visant à mettre fin au conflit qui ravage le Soudan du Sud depuis 10 mois, selon une source diplomatique tanzanienne.
Le Conseil national des concertations et des coopérations des ruraux du Sénégal était face à la presse lundi à Dakar pour partager les résultats du déroulement de la campagne agricole et parler du rôle des exploitations familiales agricoles dans la sécurité alimentaire au Sénégal. Lustina Saya Bendambaye avec notre bureau à Dakar. Il s'agira de rendre compte d'un travail qui a été effectué par le CNCR pour le suivi de 2000 exploitations agricoles familiales, et ce suivi a donné des résultats. Ce suivi a renseigné sur le fait que les exploitations familiales investissent, que les exploitations familiales contribuent largement à la nourriture des Sénégalais, que les exploitations familiales offrent des emplois. Donc voilà ce que nous voulons célébrer, et cela en rapport avec l'année internationale de l'agriculture familiale que les Nations Unies ont décrétée pour 2014. Et donc le Sénégal joue sa partition dans cette affaire-là. Et nous voulons que ce soit au niveau national ou au niveau international, que les populations, que les individus sachent que le Sénégal a célébré cette manifestation-là et que nous tirerons les conclusions. Voilà, vous l'aurez compris, c'était là le secrétaire général du Conseil national des concertations et des coopérations des ruraux du Sénégal qui se prononce sur la journée des populations rurales. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite de programme tout à l'heure à 20h30. Rites et traditions, 21h30, Afrique Info, première partie, 22h15, votre feuilleton Saloni, et à 22h40, votre série Affaires classées. Merci à vous qui nous regardez à Bamako et partout ailleurs dans le monde. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.